Ok, nous saluons tout le monde et qui a suivi cours de musique online que Orga International a pu présenter nous. Jeudi, nous allons faire un petit parler de musique. C'est très important. C'est la faire musique pour ne pas seulement pour un instrument n'a jouer, mais pour nous connaître qui ça qui musique là. Par définition, qui sa musique là même. Bon, musique pas vraiment une définition exacte. En pile monde, dans plusieurs domaines, baillent une définition à musique. Gagné Berlioz qui définit musique de façon pâle. Gagné Pythagore qui définit musique de façon pâle. Gagné Platon qui définit musique de façon pâle. Chaque monde sa yo, gagné une façon de jouer musique. Dépendamment des gens, on a vive musique. Il n'y a pas une définition avec elle. Et non seulement musicien ont défini la musique, mais sociologue par rapport à la musique là a pu évoluer dans une société, il y a une façon de définir. Et psychologue tout, par rapport à sa musique portée ou bien l'importance que la musique gagne dans la vie du monde, il y a une façon de pas de définir la musique. Mais chaque monde, dans un domaine quelconque, définit la musique là d'une façon. Mais nous avons une définition qui est assez simple, qui un peu le monde connaît, que nous écrivons pour vous là, qui dit que la musique, c'est l'art de combiner des sons d'une manière agréable. Hein? C'est l'art de combiner des sons et silence. C'est comme ça nous essayons de définir la musique pour vous, de façon qui est plus simple, que vous pouvez comprendre plus facile. Nous avons des mots nous souligner là. C'est l'art et puis son. En plus, on a parlé, on dit. Moun sa gen l'art dans tel bagage, dans tel domaine. Par exemple, moun sa gen l'art de parler. L'el parler, moun sa tout édifié par rapport à ça la di. Ou bien la font l'autre bagage quelconque, ça le dit, ou bien ça la fait. Moun dit, ah, moun sa gen l'art de faire tel bagage. Parce qu'il est capable de faire le bien, il compte ça la faire. Et bien, c'est le même genre de musique là tout. Musique là, ils sont art. Qui ça le fait? Ils prennent tout son, la p'tan de yo, ils combinent yo. Ils font combinaison entre son sa yo, avec silencieux. Qui vient de nous, qui est bagaille, qui est agréable. Maintenant, si nous parlons de musique, nous avons un art qui prend son yo. Qui ça son yo? Nous parlons de son. Son art, un peu le monde tout définit, nos façons ou l'autre. Mais nous-mêmes, nous essayons de définir son an pour. Comme ça, côté nous dit que le son, c'est le résultat de la vibration de corps sonore. C'est le résultat. Vibration au corps sonore. Par exemple, si nous prenons cymbale et une batterie, les nous frappons, si nous frappons, nous kembel, pas de son encore qui a produit. Mais si nous finissons frapper la batterie, cymbale là, et puis nous quittons, nous avons son à continuer à vibrer. Si nous prenons une guitare, nous frappons le code de la guitare, nous avons son encore qui a vibré. Mais si nous frappons et puis nous tout fermons, pas de vibration, eh bien, pas de son. Ça fait notre son, nous définissons comme ça, c'est le résultat de la vibration de corps sonore. Quand on parle de son, en musique, il y a quatre bagailles qui caractérisent le son. Qui ça y est? Nous parlons ensemble. Nous parlons de caractéristiques du son. Première bagaille qui caractérise le son, c'est les hauteurs. Ok? Nous parlons de hauteur. Dans la musique, les fonctions, nous faisons nos hauteurs. Hauteur qui s'allie. Les nouvelles hauteurs, nous avons échelle musicale. Les nouvelles échelles musicales, nous avons trois catégories de sons. Qui sont-ils capables? Ils sont capables graves, sont capables médium, ou bien sont dit aigus. Ces trois catégories de sons, ça qui est. Soit on peut chanter, ou bien on peut jouer piano, on peut jouer guitare, les cas fait trois types de sons. On peut faire un son grave, on peut faire un son médium, on peut faire un son aigu. Ça, c'est la première caractéristique son. Deuxième caractéristique son, hein, nous parlons de durée. Ok? Qui sa durée a? L'homme fait un son, ça ne dépend du nombre de temps que je fais sous son. Nombre de temps qu'on va faire sous son ça, ou bien notre ça me fait, qui bon tel son, on va le faire temps sous lit, et bien il va dépendre de figure de notio. Ces figures de notio, elles vont parler les rondes, ça nous parler les blanches, noires,
etc. C'est ça qui prend le bain en durée à ce moment. On peut faire même son ensemble avec vous, mais ne pas faire la même longueur. Ça, c'est la deuxième bagaille qui caractérise son. Troisième caractéristique son, nous jouons ça avec le timbre. Qui ça timbre là? Timbre là, c'est lui-même qui permet de capable identifier un monde qui a chanté, un monde qui a parlé par exemple. Chaque monde, nous dit chaque monde a un timbre. Chaque monde a un timbre. C'est ça que fait, un monde qui a chanté sur radio, entendez, on a chanté. Et puis identifier, mais qui est-ce lié? Téléphone moi-même, et puis ma musique, et puis monde qui pat. Même, ouais, monde qui a chanté, et puis de loin, il dit, ça c'est un tel qui a chanté. Eh bien, c'est timbre qui permet de identifier monde qui a chanté. Ok? La caille, moi, à l'aise avec tout le monde, la caille, moi. Tout le monde, famille, ça m'a vu. On t'aime tout. N'importe monde qui parle dans Yoa, je peux identifier. Et bien, c'est pareil tout, pour instrument Yoa. On ne peut pas jouer un violon pour me de loin me dire que c'est son guitare qui a joué. On ne peut pas jouer une batterie pour me dire que c'est son tambour qui a joué. On ne peut pas jouer un tambourin pour me dire que c'est son tambour qui a joué. Tout a gagné son paille. Et bien, son ça, chaque instrument ça a gagné, c'est le timbre. Qui fait yon pas différent de yon différent de l'autre. Excusez-moi, yon différent de l'autre, c'est timbre qui fait ça. Le quatrième bagaille qui caractérise son, c'est intensité. Ok? Intensité, c'est la quatrième caractéristique d'un son gagné. Ouais. Intensité, la nouvelle intensité, nous avons une nuance. Nuance, c'est ce qui prend la force ou bien faiblesse avec son. Je ne peux pas jouer en musique depuis que je commence. Je vais jouer fort. Comme ça, je ne peux pas jouer depuis que je commence. Pour jouer très bas, pour ne pas jamais entendre. Eh bien, son mélange entre force avec douceur qui me bat avec son yo qui vient embellir la musique. Nuance yo joue un rôle extrêmement important dans le domaine musical. Très, 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 très important. Nuance yo. Si vous même les mettez ensemble, notre fort, notre faible qui vient embellir la musique. Ok? Là, nous sommes ensemble avec Ousson. Nous avons quatre bagailles qui caractérisent son, qui est très important si la fait musique que nous connaissons. C'est hauteur, c'est durée, c'est timbre et puis intensité. Ok, merci.